Ah bah bonjour, direct le poste, il veut qu'on parle là. Oui, bonjour, bonjour, on est là avec, avec nos copines, puis ça s'appelle comment l'émission déjà? Manbox. Manbox, ça s'appelle. Et je crois que l'habitude, ils feront des nouveautés. Puis que nous, ils nous ont dit, il n'y en a plus de nouveautés. Vous démerdez. On a pris quoi? On a pris des nouveautés, pas neuves. Bah, pas de... C'est tout pareil. Moi, je dis c'est tout pareil. Mais c'est de la musique. C'est comme de la musique. C'est essentiel. Pas pour toi comme musique. C'est pas neuf, mais c'est bien. Il y a que des choses bien. Bon, qui c'est qui commence? Allez. Bah, allez, vas-y, Madame Durand. Madame Durand. Avec le chéri de son cœur, Gérard Lenormand. Gérard Lenormand, quand je chantais déjà celui-là. Il chantait le gentil dauphin. Ouais, le gentil dauphin. C'est quoi le nom? Je n'y comprends rien. Je ne suis pas méchant. Tu le sais. Je ne connais pas les paroles. Et il n'y a que deux, la bonne chanson. Bah, c'est... Non, mais trois disques, c'est même pas assez. Voilà. Il y a Michel, il y a les cathédrales qu'on déborde. Couvrez-vous. Tu prends d'abord? Oui, je prends. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah, bah, les Water Boys. Toi, t'aimes bien les petits gars qui font du water. De l'Irlande. C'est de l'Irlande. Ouais, ça date. Hein, ça date des années 80. Ça serait du. Du trad et du rock. En plein en 80. Et c'est vachement bien. Ah. C'est dansant. Tu sais pas le chanter? Ben, si, mais j'ose point, qui est super, c'est When We Will Be Married. Bonne question. C'est excellent. D'accord. Moi, j'ai un gars là que je trouve... Un petit jeune qui monte. J'ai toujours assez un faible pour ce gars-là, moi. Je sais pas pourquoi. Le charme des îles là-bas, les îles bien loin. Qu'est-ce qu'il chantait déjà? Chanter, il tape sur des bambous et les numéros 1. Elle préfère l'amour en mer, c'est une question de tempo. Elle n'a rien de fier à tes drapeaux. On va continuer dans la fête. Qu'est-ce qu'on a là? C'est ça. Oh. Ah, on a un beau gosse. Ben, le petit batave. Le petit batave. Le petit batave, ça m'en le orange. Nous voilà, je vais vous en présenter. Orange Folie. Voilà, nous avons Vanina, Swan, Tout ça réorchestré, façon quoi, c'est... un peu saoul, il nous saoule un peu. Non, on le danse quand même. Je pense que c'est dansant. C'est très dansant. Voilà. Tac. Yes. Toi, tu nous sors quoi? Alors, qu'est-ce que... Bon, bah, ça c'est... Hutelemper, je connais. Qui en parlerait à ma place? Hutelemper, chanté avec Lambert Wilson, il me semble. Ah, Lambert Wilson, un beau grand... Bah, c'est une allemande qu'on a sorti, là, parce qu'il fallait un peu des gens qui soient pas français, donc. Ouais. Donc on a dit pourquoi pas. On a dit international. Champion du monde. Tac, continue. Oui. Hop là, quelques heures. Qui c'est celle-là encore? Oh, oh. Ça, c'est de la grande musique. La musique classique, Ariel Dombal. Un classique, un classique. Ça, parce qu'elle chante pas de la musique classique. Elle est inclassable, mais bon, écoutez. C'est le patrimoine émergence. C'est très agaçant, mais ça, un jour, ça devient du patrimoine quand même. Oui, bah, déjà, la chanteuse en elle-même. Ouais. Vous écrivez 20 déjà. Allez, Mme Violet. Alors, Garou. Garou. C'est une voix forte, remarquable. Une voix un peu, on dirait qu'il a envie de... Remarquable, il y a quelque chose. Remarquable, oui, se remarque. Seul une femme, tu sais, toutes mes erreurs. La fêlure, c'est un garçon peut-être C'est un plus compliqué qu'il n'est. Un garçon sensible. Un garçon sensible, Garou. Pour les jeunes filles en fleurs. D'accord, bon. C'est à qui? Dis-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est une grosse dame et un petit monsieur. Je ne connais point, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Oui, Louis Armstrong et là, Fritz Gérald. Et là, Fritz Gérald. Fritz Gérald, piano allemand. Je ne connais pas. Bon. Qui peut m'en parler? Bah, je ne sais pas, écoute, on a dit que les étrangers n'en parlaient pas aujourd'hui. Ah, pardon, oui, je joue la trompette. Alors, voilà. Mais bon, on m'a dit que du bien. La trompette de jazz, hein. C'est la grande musique. Là, on passe vraiment à la grande musique, c'est Yvette Horner. Une heure avec Yvette. Ça, c'est pas si Yvette. Le sourire. On en veut plus. Le sourire, l'instrument. En période de Tour de France. Ah ouais, c'est... Le sourire en dents d'accordéon. Ouais. Allez, ma poulette. Alors, qu'est-ce que... Ouais, Pascal Comelade. Oh. Hein? C'est chouette. C'est chouette. C'est il habite quelque part. C'est un gars, il habite dans le sud du sud, dans le midi du bas de la France, par là-bas.
Genre les Pyrénées peut-être, un truc comme ça. Il fait... Donc il chante avec une rose dans la main, dans la bouche. Ah ouais. Ah bon, tu l'as déjà fait. Ah si, il est marqué sur le papier. Ah oui, pardon, c'est ça. C'est ça. Et puis il chante... Il a des drôles d'instruments, il joue avec des petits jouets, des choses comme et ça. Et puis il fait des... il y a des super mélodies, et puis des fois du rock. D'accord. C'est un sympa classable. Bah là, dis donc, bah dis donc, bah dis donc. Oh, oh. Amoureux de la grande musique, j'ai pas vu, mais ça va nous faire un effet... Arabesque. Voilà. Bon alors, qu'est-ce qu'on en dit pour les gens qui connaissent pas? Que ben faut écouter hein. Voilà. C'est des gars, ils ont des violons. Ils ont des violons, des batteries, ont, des basses et puis ils essaient de jouer ensemble à peu près en harmonisé. Voilà. C'est à peu près ça. Certains appellent ça de la musique d'ascenseur. tu trouves. Mais on peut venir au classique par ce biais. C'est méchant. Voilà. Mais bon, voilà. Rondo-Veneziano. Bon alors là les minettes, ça c'est mon glo-glo, c'est mon glo-glo, mais qui est chanté par des japonais. Ah mince. Unahi uto, unahi uto, unahi. Et franchement, c'est pas mon glo-glo, mais franchement, ils méritent pas les petits japonais, moi je trouve. Et c'est l'été. L'été. Alors, Massilia Sound System. Massilia, c'est un peu du savon, non? C'est ça, son nez. Qu'est-ce que c'est, son nez? C'est le savon de la ville de Marseille. Alors. Churmo, c'était un album des années, des premiers. Ouais. Et non, il y a des super. Voilà. Bon, vous connaissez tous, Tiens, parle de ça aussi, parce que c'est pas qui l'a choisi. Alors, les hurlements de Léo, un petit groupe pourquoi français. Pourquoi il hurle? Il hurle. Ben, pourquoi il s'appelle comme ça, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est une super chanson qui s'appelle La Mal en mai, qui donne envie de. J'ose point. Ah non, non, qui donne envie de spéciale, se carapater, de partir en vacances. D'accord. La TI. Les triplettes de Belleville. Oh ouais. Yes. Bon, pour rester dans le thème accordéon. Accordéon. Vous connaissez la chanson des triplettes? Ouais, c'est bien ça. C'est un peu comme nous, j'en dis quoi. Ouais. Ah oui, j'avais pas. En plus vieux, peut-être. À écouter. Oui, quand même. C'est quand bien même. Bon à écouter. Voilà. Trop bien beau. Oh, ma zizi! Ça, c'est la zizi. J'en mère! La fille qui avait un truc en plus, qu'elle promenait partout dans Paris et ailleurs encore, et puis qui se le mettait partout. Sur son truc en plume, là, Monsieur, c'est ce que je fais avec mon truc en plume. Voilà. Ah, vas-y, je te laisse. Qu'elle reste à chacune. Moi, je ne sais qu'en dire, je me présente. Pascal of Bollywood. Pascal of Bollywood, c'est magnifique. Pochette de Bollywood. Le gars, on voit bien qu'il est pas indien. Qui est pas indien. Ça fait Pascal. Alors, il n'y a rien à se faire aimer ni comprendre, mais on aimait bien la pochette, donc on voulait le montrer quand même. Hein? C'est bien fun aussi. Il y a bien ça. Tac, et pour continuer dans la gaudriole, nous avons les yeux des fesses. Donc, là, on ne connaît pas. C'est un peu osé quand même. C'est un peu osé. Alors, les titres des chansons quand même. Les bons vivants, ce matin-là, tour de bras, les yeux des fesses. Écoutez. Oh, ben ça, mais ça, c'est toi, c'est toi. Eric, vous connaissez pas sa photo? Pas sa photo, Eric. Parce que c'est un best-of. Ah, d'accord. Bon, mais pourquoi alors? Eh ben, parce que c'est festif, c'est le soleil, c'est la gaieté, c'est l'amour. Voilà, c'est Eric. Enfant de tout pays, toi des Romains, l'autrice de l'amour et puis donner la vie. J'ai oublié mes lunettes. Je vois mieux comme ça, heureusement. Mais voilà, non, c'est bien fini. On finit par meilleur quand même. Bon, ouais, bah c'est bien. Bon, petite Violaine, petite Catherine. Ouais. Bah, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine fois. Au revoir.